Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à l'épisode numéro 10. Ça fait 2 semaines. Boom! Ah, écoutez, ça l'a tout pris pour que je réussisse à venir m'asseoir ici, puis à peser sur le fucking bouton rouge. C'était comme si, oh my God, j'ai rien collé aujourd'hui. Oh my God, hey, je me suis réveillé, je sais pas trop à quelle heure, à genre 7 heures. Puis Chris, pas été capable de me lever, man. Incapable, là. On dirait que j'étais comme, j'allais rester là, j'arrêtais pas. Oh, ok, à 9 heures, je vais me lever. Fuck off, je me levais pas. Oh, t'as eu. Oups. Ah, ouais, hey, je comprends pas que c'est qui m'est arrivé. Tantôt, là, j'étais comme. Je voulais vraiment. Je suis allé chercher des affaires à mon entrepôt avec mon père. C'est ça qui m'a forcé à me lever, là. Mais aussitôt que je suis revenu, là, je voulais comme. Je me disais, ah, oh, je vais tout ranger mes trucs. Oh, j'ai rien. J'ai pas été capable! What the fuck, man? Je sais pas si c'est un symptôme de quoi tout ça là, mais ouf. Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui c'était pas tant de bonne journée. Fait que je sais pas trop à quel point je file pour parler de merde que j'ai faite, puis de retourner comme dans une place de merde. On dirait que. C'est ça, ça me tente pas aujourd'hui, fait que à place, on va juste parler de n'importe quoi qui me passe par la tête. Puis là, le fait que mon téléphone a sonné tantôt, ça m'a fait penser, man, que. Fuck. Ok. On va enlever toutes les fuck que je viens de dire parce que là je viens de retrouver où est-ce que je m'en allais avec ça. C'était parce que tantôt j'étais sur, je fréquentais les applications du genre Tinder. Puis en étant sur Tinder, j'ai comme réalisé que je pense que je jouais pas au jeu comme du monde. C'est peut-être. Je sais pas s'il y a plusieurs personnes qui font ça ou c'est juste moi. Dans ma tête, je me suis dit qu'il devait y avoir pas mal de gars qui faisaient ça, mais moi, mettons là, sur Tinder, m'excuse, mais j'ai pas le temps d'apprendre tes qui, là. Tu comprends-tu? Genre, moi, même. Je regarde même pas dans le fond, là. Même pas la première photo, là. Moi, là, je power like, là. Moi, c'est plus genre. Je like tout le monde. Je like tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis là, je vois avec qui que je match. Puis là, si, mettons, je match avec une fille que, mettons, qui est pas à mon goût, oh, ben là, oh, je vois la un match. Oh. Hein, moi, c'est plus comme un genre de. Genre. En anglais, l'expression, c'est throwing shit at the wall and see what sticks, là. Ben, c'est pas mal ça que je fais. Puis là, ben, après ça, dans les matchs que j'ai eu, je check, tu sais, c'est qui que. Avec qui que je suis plus intéressé. Puis là, des fois, je me mets à leur parler. Ou des fois, souvent, j'ai snob. Souvent, là, quand je vais sur Tinder ou genre Facebook Dating, puis tout ça, là, souvent, c'est juste comme pour avoir un petit boost de. Je sais pas c'est quoi la drogue, là, que t'as pour quand t'as un petit. Quelque chose de positif, là. Comme quand t'as des notifications sur ton téléphone. Je sais plus c'est quoi, mais. Une petite shot de ça, là, quand tu te fais matcher, pis t'es comme, waouh, quelqu'un me trouve hot. Quelqu'un considère l'idée de me fourrer! Fait que, une fois que j'ai eu ma petite shot d'endorphine ou de je sais pas trop quoi, là, j'ai plus envie de parler à personne. Genre. Ou si j'ai une. C'est rare. Des fois, j'en regarde des conversations. En ce moment, je parle à une fille. Ouais.
Mais si je suis paresseux, je suis comme j'ai envie de rencontrer du monde là, mais juste si ma vie est facile là. Juste si genre on parle, ça clique à mort, puis je te dis ah ben tu viens tu me vois chez nous, puis qu'elle dit OK. Puis c'est jamais arrivé. Fait que moi je suis pas ben bon moi avec ces affaires là. Moi je suis plus comme un Moi, je suis pas ben bon ces premières impressions. Je suis plus un goût qu'on apprend à aimer. Une fois que tu passes à travers toutes les barrières là, puis les épines que c'est que d'être mon ami, là. Après ça, tu m'aimes bien. Ouais, fait que c'est ça. Journée pas géniale. Mais parce que hier, ça a été... Ah, c'était bizarre, hein? Puis hier matin, j'avais déjà enregistré le podcast. Fait que là, le soir, j'ai pas enregistré de podcast. Puis hier aussi, ça a pas été une journée trop extra. J'étais pas full fier de moi, là. Comme là, en ce moment, là, j'ai déjà laissé l'appartement devenir dégueulasse, là. Fait que je me suis donné, là, comme défi personnel, là, de fucking tout ramasser avant d'aller me coucher. Je finis le podcast, là, puis pendant que tout s'upload, puis tout se prépare, là. Je vais essayer de tout ramasser, man, parce que Chris, si je veux que chez nous soit propre, faut que je le garde propre. Chris! Fait que c'est ça qui est ça. Hey, il y a eu une affaire qui est quand même malade qui est arrivée ben hier. Comme la raison pourquoi j'ai posté un deuxième podcast là, c'est que je me suis mis là tellement à douter là, puis là c'était malade mental. Genre, je l'ai expliqué hier un peu là, que je me sentais comme pantoute comme la même personne. Mais comme une fois que le podcast était posté puis tout, je me sentais déjà mieux parce que j'avais figure out le shit, mais je l'avais pas posté, je veux dire je l'avais déjà enregistré, mais fait que j'avais déjà eu la conversation avec moi-même de sur je m'étais comme auto-analysé un peu. Mais genre après ça, je suis retourné me coucher ou je me souviens plus trop qu'est-ce que j'étais allé faire, mais j'ai reçu comme un message de hey, une de mes anciennes athlètes encore. Une autre. Que elle, là, oh, ça fait des années, man, qu'on s'est pas parlé. Puis que. Elle m'a quasiment. Hey, man, elle me criait quasiment après, man, dans des messages sur Snap, man. C'était fou, là. Puis elle me disait, arrête pas ça, tu sais, décourage pas. Puis là, j'y fais pas justice, là. Genre, je me moque pas de toi, là, mais c'est juste que je me souviens plus les affaires que tu disais, puis je trouve ça cringe d'essayer de t'imiter, là. Puis elle m'a vraiment comme remis dedans, man. Puis j'étais tellement content, là. C'est. En tout cas, thanks, toi, d'avoir fait ça. Puis ça m'a comme. On dirait que là, ça m'a comme donné le goût, man, de. Il y a tellement de monde dans ma vie à cause du cheer là, à cause que genre t'sais, tu vas dans tu fais du cheer à quelque part puis là t'apprends à connaître le monde puis là ça devient ta famille ces gens-là là, tu crèverais pour eux là. Une fille dans ton équipe de cheer c'est pas ta blonde, ça a pas rapport, mais Chris ça pogne un flat estime, puis là tu vas être comme ben je vais venir te changer ton pneu puis tu vas t'en foutre genre, tu comprends-tu, ça va être juste pour aider genre. C'est ça que ça fait des équipes de cheer, puis là mettons que quand il y a des changements d'assaut après ça, tout le monde que tu pensais que c'était ta famille man, tu les perds tranquillement pas vite, t'arrêtes d'aller aux soirées puis tu sais ça comme tout le monde part un peu de son bord puis tout ça, mais pendant ce temps-là là, c'était des gens là, qui étaient tellement importants pour moi. Puis là j'ai vécu ça à plusieurs reprises, tu sais j'ai bougé un petit peu quand même là en cheer, puis calisse, j'en ai connu du monde là, que c'était les personnes les plus importantes pour moi là, dans ma vie pendant un certain temps. Puis Chris, c'est pas chastique qu'on se perd de vue comme ça. Tu sais, je sais que c'est la vie puis que tu peux pas rester ami avec tout le monde. Là. Je suis conscient de ça, mais fuck, ça suck, man. Pourquoi, genre. C'est vrai que ça serait tough donner des nouvelles à tout le monde, tout le temps, parce que là, ça ferait beaucoup, mais. Tu sais, au moins une fois par année, là.
Si, hey, s'il y a du monde qui entend ça, là, qui se sent concerné par qu'est-ce que je viens de dire, là, des athlètes, des parents d'athlètes, du monde qui faisait du cheer avec moi, n'importe quoi, man, du monde qui, on allait à des open gym ensemble, hey, réécrivez-moi, man, yo. Non, écrivez-moi pas, man, yo, je sais pas pourquoi j'ai dit ces mots-là. Mais faites juste. M'ennuie du monde, man, on dirait que ça m'a comme donné envie de reparler à du monde, puis. Justement, si j'ai des comptes à régler, je vais régler mes comptes. Yes! Oh my god, je viens de dire Sound of Life, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Wop! Mais bon, fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah ouais, tantôt j'ai. Sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Me suis mis à follower. J'ai pensé à un. Je me disais, bon, là, comment je pourrais. Tu sais, moi, je connais pas. Je connais rien à la culture québécoise, on dirait. Tu sais, la culture que je suis, c'est vraiment plus comme aux États-Unis, puis tout ça. Genre, je suis pas full la culture québécoise. Parce que tout ce que j'écoute, c'est des affaires, genre des podcasts américains, des humoristes américains, puis tout ça. Fait je connais. On dirait que je connais plus la scène, genre, de Hollywood que n'importe qui ici, genre. Fait que là, j'étais comme Chris. Comment je fais pour comme connaître du monde dans le milieu de l'humour, man, au Québec? Fait que là, j'étais allé checker des podcasts qui sont populaires, man. Puis là, j'ai commencé à. J'ai followé ce monde-là, puis tout. Puis là, j'attendais une ouverture, man. Je me suis dit, je vais attaquer au moment où je vais avoir une ouverture. Puis là. Arnaud Soli a posté une affaire à propos de. Une toune! C'était Il est né le divin enfant. Puis là, il se demandait si on disait Il est né le divin enfant, joué Zoboi aux. Joué. Ah oui, c'est ça. Joué au bois ou joué Zoboi. Sonner les musettes. Puis là, il disait qu'il y avait du monde qui disait que c'était avec un Z, mais avec un. Lui, il pensait que ça se prononçait comme avec un. Comme si le Z se transposait, mais à cause qu'il y a un H, c'est supposé couper et faire au bois. Pas au bois. Fait que. Puis là, il y a plein de monde, puis je suppose que c'est des gens qui. Je connaissais pas pantoute, parce que je connais personne, tu sais. Pas qu'ils sont pas populaires ou rien, c'est juste que je connais personne, ouais. Puis là, il y a plein de monde qui faisait comme un genre de. Ils disaient quelque chose d'un peu comique là-dessus. Fait que j'ai assumé que c'était des humoristes, eux autres aussi. Fait que là, je me suis dit, hey, je veux être un humoriste, je veux être votre ami, man. Fait que je me suis filmé. C'est pour ça mon story qui est fucking whack. Où est-ce que j'y réponds? Puis j'ai écrit en bas, j'ai dit, oui, j'essaie d'infiltrer votre groupe. Il m'a juste répondu, ah, j'espérais qu'il me. J'espérais qu'ils me disent ah, bienvenue dans la gang, man. Puis là, qu'on tape nos poings, puis qu'il y ait une bague, puis que ça fasse ping. Puis que je devienne un super héros avec eux autres. Mais ouais, c'est ça. Fait que. Ouais, c'est ça qui s'est passé. C'était ça ma journée, man. That's it. C'est ça les hauts et les bas qui se sont passés aujourd'hui. Puis, c'est pas mal ça, man. J'ai vu des affaires aujourd'hui, là. Oh, là, je vais peut-être me faire chicaner à cause que je parle de ça, là, mais. On dirait, là, que. Mettons, j'ai vu qu'au UK, il allait commencer à faire. Oh my god, je vais commencer à parler de ça. Ben ouais, je vais parler de ça. So what? Hey! On s'en calisse dans le fond, j'ai le droit de parler de qu'est-ce que je veux. Ok, hey, est-ce qu'on peut être honnête là? Est-ce qu'on peut être honnête, s'il vous plaît, pour se dire que le vaccin là qui vont sortir pour le COVID là, je vais pas le prendre. No. Fucking way là! Aïe aïe! Oublie ça, mon dude!
Hey, si en février, là, ils sortent le nom d'un. Là, ils viennent de dire qu'il y a comme un strain du nouveau vaccin qui vient de sortir, là. Si en février 2021, ils appellent ça le COVID-21, ciao, bye, man! Je sais pas comment je vais faire, là, mais je vais trouver un groupe de fucking. Tu sais, les fous qui pensent que c'est la fin du monde, là, qui enterrent des autobus, astie, pour vivre dedans, là. Gros, je vais leur donner tout mon argent que j'ai pas, man, puis je vais aller vivre avec eux autres. Parce que j'ai lu des choses là de conspiration, mais que qui avait comme un timeline tellement précis, je me disais, ah ben ça va être facile à tracker si c'est vrai ce timeline-là. Fait que je les ai pris en screenshot. Chris, puis ça c'était un de ceux-là, j'étais comme, ah ben ça c'est vraiment facile à savoir. Si en février 2021, ils transforment le nom du COVID-19 en COVID-21. Ciao, fucking bye tout le monde, parce que je vais aller vivre dans un autobus. Calisse. Hey, je pensais à ça, là. Ah, ça. Ça serait ça, tu penses, un genre. Mettons, si à. Tu sais, les podcasts, là, parce que le monde sont assis, là. C'est de la merde, man. Pourquoi je te regarde parler? Pourquoi? Tu fais rien, dans le fond. Pourquoi les podcasts, ça se fait pas debout, man? Ou, tu sais, genre, je sais pas si vous avez déjà écouté ça, Fighter and the Kid, là. C'est un assez aux États-Unis, là. Hey, eux, là, ils se lèvent tout le temps, ils se kickent, man. Est-ce que ça bouge, là? Ici, j'ai regardé une couple de podcasts, ici, là. Deux personnes devant une table, puis ça se parle, puis rien qui se passe. C'est peut-être moi qui aime trop les films américains, mais il me semble que ça manque d'action pour une vidéo que je regarde, Chris. Puis là, je dis ça, puis moi, c'est une photo. Ah, puis là, j'ai même pas de photo. Bastien, il a oublié de me faire ma photo. Là, je vais faire quoi? Il va falloir que je dessine un truc sur Paint, genre. Fuck, comment je vais faire? Bon, essayer de m'en sortir. Je vais peut-être juste faire un autre écran noir avec écrit épisode 10 dessus. Who cares? Who cares? Ah ouais! Puis là, je vous parlais de mon athlète qui m'a dit ça, là, puis dans les affaires qu'elle me chicanait, là, elle me disait, là, arrête de dire que ça marchera pas ton affaire. On dirait que tu essaies de faire ça juste pour que si à un moment donné, t'es rendu, t'as plus envie de le faire, puis tout ça, puis que ça marche pas, ben au moins tu vas être comme, tu vas dire, ah ben ça m'a pas fait trop de peine parce que dans le fond, j'y croyais pas tant que ça. Puis c'est tellement vrai que je fais ça, là. Fac, en tout cas, je vais essayer, là, mais dans le fond, je le contrôle pas vraiment, là. Des fois, quand je me laisse parler, là, ça parle tout seul, puis. Le dire du mal de moi-même, c'est comme vraiment une forme d'art que j'ai maîtrisée à profusion, fait que ça se fait tout seul un peu. Mais je vais essayer de faire attention là-dessus, man, à pas dire que c'est de la merde. Anyway, je me suis promis, man, de me rendre à 20 épisodes, mais hey, aujourd'hui, là, ouh, on s'est quasiment pas rendu, je vous le jure! Je sais pas pourquoi je fais des bruits de même. C'est bizarre. Ouais, fait que. Ah, j'ai aucune idée de combien de temps que je parle. J'ai dit que j'enlèverais le temps. Ah, oh, 18 minutes. On va essayer de se rendre à 20 minutes. Ah, ben non, attends, on va se rendre bien plus loin parce qu'il y avait des affaires que j'avais écrites. Eh hey, oui, hey, ça c'est drôle. Ça m'a fait rire. J'ai reçu un email de. J'ai reçu un email de Industrielle Alliance. Ah oui, c'est drôle ça! J'ai reçu un email de Industrielle Alliance, ok? C'est une job que quand j'ai commencé à travailler chez Garda, j'ai appliqué pour cette job-là parce que ça disait que ça prenait juste un secondaire. Hey, j'ai déjà menti sur des. Oh! Sur des CV pis tout, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, pour cette job-là, j'avais écrit que j'avais un bac en droit. Fait que là, il m'invite. Je vais avoir faire un test de leadership.
Puis, non, c'est un test de. En tout cas, je sais pas trop c'est quoi, là, un test de personnalité, puis que ça va détecter selon ta personnalité si tu serais bon pour vendre des assurances, mais en plus, ça va te dire si tu as des traits pour être un leader, genre un leader d'équipe. Puis là, le gars, man, hey, j'ai jamais eu un processus d'entrevue autant fucking intense que ça, man, mais Chris, que j'ai torché! Mais basé sur des mensonges, mais je veux dire. Ouh! Hey, le gars là, les réponses que j'ai écrites là dans le test, c'était comme un test qui te posait 1 million de questions sur comment t'agirais en équipe ou en groupe. Puis là, le dude, quand il m'avait entrevu, là, il dit je pense que j'ai jamais vu ça, des scores comme ça au niveau du leadership. Puis moi, je suis pas un leader dans la vie, là. Moi, je parle pas, je dis pas un crisse de mots. Je regarde le monde faire des affaires d'habitude. Jusqu'à un certain point. Après, un petit bout. Mais moi, c'est pas tant leader. C'est plus je cherche de l'attention, puis c'est triste. C'est plus dans ce sens-là. Fuck. Mais c'est pas grave, parce que des fois, il y a des affaires que je fais qui sont crissement légendaires. Fait que il y a ça de bon. Puis, fait que c'est ça. Pourquoi je parlais de ça? Ah ouais! Fait que le dude à Industrielle Alliance, en tout cas, il avait trippé sur moi. Puis là, finalement, j'y avais juste pas donné de réponse, là. J'étais comme, oh. Il y avait des affaires que je pouvais pas faire, là. J'avais pas mon permis, puis j'avais pas de char. Puis là, il fallait que j'aille un char. Puis en tout cas, c'était comme compliqué. Il fallait que j'aille un char pour être un vendeur d'assurance pour amener des clients en fucking à des soupers pis des shit de même. J'étais genre, oh my god, ça va-tu être moi ça? Je suis même pas capable de fucking emballer de la bouffe au IGA pis demander de l'argent. Je vais pas t'amener manger pis dire, bro, veux-tu que j'assure ta maison, man? Fuck, j'aurais jamais été capable de faire ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, ils m'ont envoyé un email, man. Il dit, en telle année, vous avez appliqué puis vous avez eu un bon un score fou à ce test. Et puis là, je me demandais si pendant la pandémie, tout allait bien pour vous, si vous étiez satisfait au niveau du travail, sinon vous pourriez me rappeler, blablabla. Puis là, j'étais comme, hey. Ce gars-là, si mettons je dis regarde, je vais come clean, dans le fond, j'ai pas vraiment de bac, pis tout ça, tu sais, le test de personnalité, ça représente qui je suis pour vrai, mais tu sais, j'aime mieux vous dire la vérité que dans le fond, à ce moment-là, j'étais comme vraiment pas une bonne place dans ma vie, pis c'était vraiment important que je trouve de quoi, fait que j'étais prêt à mentir, mais comme là, c'est plus le cas. C'est sûr qu'il serait genre, bro. Give me a hug, bro! Il serait comme, viens-t'en, come home, baby. Puis il me redonnerait un job direct là. Mais j'ai-tu envie d'être ce gars-là, Ali le je sais pas, man. Moi, peut-être y écrire. Puis en reparler après ça. Sur le podcast. C'est ça. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Hey, hier, là, j'ai parlé avec un ami, là. Puis qu'on se rappelait, genre, des soirées qu'on avait passées ensemble, là. Puis là, il m'a tellement rappelé d'affaires, là. On dirait que mon cerveau m'a fait oublier à quel point j'étais retard. Oh my god, des fois là je fais des affaires là. là j'étais en train de paranoïer sur le fait que j'ai dit le mot retard. Puis là je me dis, oh my god, imagine que ça fait un scandale. Un jeune con dit le mot retard sur un podcast. Il s'en va en prison. Mais ouais, fait que je me sais plus c'est quoi que je disais. Ouais, j'ai tellement fait d'estis d'affaires dans ma vie là. Oh my god, hey, ça me fait penser à. Oh my, hey, il y a des. Honnêtement là,
Je vous dis, là, on va essayer de se rendre à 20, là, mais ça va être facile. On en a minimum pour 100 épisodes, je vous jure. Ah, c'est-tu qu'il m'en est arrivé des affaires? Fuck. Ouais, fait que. C'est ça. Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi aujourd'hui si, à cause des histoires que je raconte, si j'avais déjà été. Si j'avais déjà été fidèle à 100% dans une relation. Puis là, j'avais jamais pensé à ça de ma vie. Puis là, j'ai pensé. Puis là, c'était une seule fois. Une seule fois? Puis c'était même pas une relation. Une seule fois, puis c'était même pas une relation. C'était genre. C'était une fille que, genre, ça faisait ultra longtemps qu'on se connaissait. Puis. Oh. Ça faisait longtemps qu'on se connaissait, puis que, tu sais, il y avait toujours eu, genre. La chimie, là, un peu, là. L'affaire que tu sens, mais que, tu sais, on sait pas c'est quoi, là. Je la trouvais cute, elle, je sais pas pourquoi qu'elle m'aimait bien. J'étais laid, me semble. En tout cas. Puis, elle me dit, pas elle me dit, mais toute notre vie, là, on s'est comme un peu toujours manqué, là, tu sais. Si j'étais en couple, elle était célibataire, puis là, ça marchait pas. Puis là, quand moi, je tombais célibataire, là, elle a retombé en couple, là, ça marchait pas. Puis là, pendant fucking longtemps. La seule affaire, c'est que moi, je lui ai dit depuis toujours qu'on allait finir par se marier. Je disais, vas-y, garde, c'est pas grave. Garde, vis ta vie. À chaque fois, tu sais, je disais, on va te prendre un verre. Elle dit, ah, ben, je commence un peu à voir quelqu'un, puis tout ça. Là, je dis, ah, ben, c'est pas grave, là, garde, fais ce que t'as à faire, ça veut dire que c'est pas encore notre tour, tu sais. Fait que je la niaisais un peu avec ça, puis finalement, c'était comme, ah, ben, là, c'était le temps, là. Fait que là, on a commencé à se fréquenter, puis elle refusait de sortir avec moi parce que j'avais été honnête avec elle, puis j'y avais raconté toutes les merdes que j'avais faites. Ah! Puis là, parce que j'ai été honnête, oh my god, une bonne fois dans ma vie qui m'a comme appris à ne jamais être honnête, thanks. J'y raconte un peu c'était quoi ma vie, puis elle me dit, ah, ok, ouais, ben on sera jamais ensemble parce que j'ai peur que tu me fasses de la peine. Fait que là, moi, en tant que gars, je me dis, ben, challenge accepted. Fait que j'ai été pour la première fois de ma vie, là, un parfait. Ben, pas parfait, 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 là. Dans le sens, je veux dire, j'y mentais sur les affaires que je mentais un peu à tout le monde, là, tu sais, mais c'était parce que c'était comme ça l'histoire, là. Tu sais, fallait que je raconte ça à tout le monde parce que c'était vraiment trop dur sinon de savoir qui était rendu à quelle étape de ma vie, là, tu sais. Fait qu'à la place, c'était juste comme une vie complète, là, que je créais. Ben, pas complète, mais tu sais, un faux passé, dans le fond. En tout cas. Puis, en tout cas, peut-être qu'elle savait, puis que. Elle me l'a jamais dit qu'elle savait, puis c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ah, ça, je l'avais jamais considéré. Ça, je l'avais jamais considéré. Mais ça se peut bien. Ah, oh, ben si c'est ça. T'es pardonné de comment je me suis senti en crise après toi pendant toutes ces années-là. Mais si c'est pas ça, par exemple! en passant, j'ai exagéré mon émotion. Je me suis jamais vraiment senti en crise, mais. Mais c'est ça, fait que j'avais été comme le best boyfriend, pas boyfriend, là, tu sais, genre aider à déménager, peinturer ses murs, faire du plâtre, toutes des shit que j'étais pas tant à l'aise que ça à faire, mais que j'étais comme, ah ben tu sais, pour cette fille-là, on dirait que je serais prête à devenir le gars qui est capable de faire ces shit-là, man. Puis, en tout cas. Hey, j'y avais acheté des billets pour aller voir un show, pis tout, man. Pour moi, là, c'était genre. Je vais la convaincre, là. J'étais sûr, là, que c'était genre. The one, man. Puis finalement, ben, ça a juste pas marché, là. C'est comme. Il s'est passé de quoi à un moment donné? J'ai été un peu trop contrôlant, là. J'ai tiré sur son bras devant ses parents, puis elle a pas aimé ça, puis regarde. Dans la situation, on dirait que j'avais pas réalisé que c'était si bad que ça, mais.
si c'est un deal breaker, c'est un deal breaker, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ça l'a fait comme en sorte que j'étais comme. Toutes ces affaires-là que j'ai faites pour être le gars parfait qui y ferait pas mal, ben ça a été effacé par ça, puis là c'était ciao bye. Puis ça a été fini là, one shot, pow! Un jour, du jour au lendemain là, crou! C'était terminé! Il a quand même fallu que je l'amène à un show, j'essaie. Ah, oh, si j'étais cringe ce soir-là. Je me dégoûtais. J'étais comme, oh, ben là, je veux juste m'en aller. Puis genre, je voulais qu'elle me retienne, puis je marchais lentement. Puis je m'étais dit que j'allais pas coucher avec, puis genre, elle a commencé, puis elle était comme, ouais, mais t'es un gars, fait que je sais que tu vas le faire, puis elle a eu raison. Asti que c'est weak être un gars, man! Oh! Oh non, je serai pas avec toi, sérieux, je trouve vraiment que c'est wack ton comportement, bla bla bla. Non, je le sais que tu vas coucher avec moi. Ouais, c'est vrai, je vais coucher avec toi. T'es pas plus compliqué que ça. Fuck! Fuck! Ouais, fait que c'est à partir de ce moment-là que je m'étais comme dit que ça marchait pas être un bon gars. Mais là, on dirait que j'aurais pas le choix de recommencer. Dire tout le temps la vérité. Urgh. Ça va être plate aussi. Je pourrais plus dire au monde que j'étais un astronaute. Ou si, mettons, je l'avoue comme vraiment pas longtemps après, c'est chill. Avant d'avoir couché avec. Et dire, ah oh, non, c'est pas vrai. Ou si je fais le jugement, puis là après ça, tout de après, je dis, non, c'est pas vrai tout ça, mais c'était juste une manière de te parler. Puis là, elle trouve ça drôle, puis elle te parle. De quoi je parle là? On se donne des dating advice. Bon, allez, ça fait assez longtemps que je parle. Oh my god, on est rendu à 30 minutes. Fait que ça a été long. Ben, merci d'avoir écouté tout le monde, man. M'excuse que ce soit pas du crispy shit. Puis, dans le fond, en autant que moi, je me rappelle tout le temps que je le sais que je fais ça pour juste envoyer du positif dans l'univers, puis que pour me faire filer mieux, puis tout ça, c'est chill. Fait que, dans le fond, je vais jouer la game un petit peu quand même. Fait que, envoyez-moi le drapeau de la Chine, s'il vous plaît, ceux qui savent de quoi je parle. Puis, sinon, like, subscribe, follow, hit that bell notification. Allez pousser le podcast. De OD, Chris, faut que ça blow up cette shit-là, guys. J'ai même contacté une amie influencer. Puis je pense pas qu'elle va le faire, mais tu sais, peut-être. Puis si je deviens l'ami de. Je me souviens plus de son nom, là, drette là, mais ben, ça va être grâce à mon autre plan machiavélique. Fait que, that's it. Yeah. Bye!